Et salut YouTube, bienvenue sur 7 Days to Die Alpha 17.2, bienvenue en Asgari. Vous le savez maintenant, nous sommes sur le serveur de l'Asgari. Il y a d'ailleurs en partie en jeu en ce moment Phoenix et Tedrak. Voilà. Et nous allons donc affronter notre première horde dans cette configuration de base. Donc vous voyez, le jour est rouge en haut là, donc c'est jour de horde. Voilà, donc petit topo classique sur l'Asgari. Vous trouverez en description de la vidéo la chaîne Twitch de Asgard, qui est le streamer qui nous met à disposition ce serveur pour que la communauté l'Asgari puisse jouer tous ensemble. Donc c'est un streamer qui stream quotidiennement, donc profitez-en, c'est du bon stream. Vous avez aussi le lien vers le Discord de l'Asgari. Je vous invite à venir, Discord de l'Asgari, tout le monde est très sympa. Nous ne sommes qu'amour, plaisir et volupté. Et vous aurez aussi l'adresse de ma chaîne Twitch. Donc là, on a déjà pas mal renforcé la base en prévision de la horde. Voilà. Ici, pas trop, mais c'est là où il y a la porte en même temps. Hein, voilà. Là, je vais essayer de faire en fer forger les premières lignes. Ah, il n'y a plus de fer forgé. On va en refaire. On y retourne. On va manger aussi pour remonter la stam en prévision de la horde. Et on refait du fer forgé histoire de continuer à renforcer. 19h34, on est pas mal. Hop, hop. Donc il y a autre chose aussi que je voulais faire. Hop. Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà. Donc du fer forgé déjà pour commencer. On a refait un petit peu. Voilà. Bon, on est pas mal en ressources, hein, donc il n'y a pas de souci. Fer forgé. Tu peux m'en faire 100? Oui, tu peux m'en faire 100 sans problème. Tu peux même en faire 150. Vas-y. Donc ça, c'est bon. Hop, c'est parti. Ici, je prends l'acier. Je prends le plomb pour le fondre. Et le laiton aussi. Hop. Voilà, comme ça tourne, autant en profiter. Voilà. Et ça, on le met là. Ok, ce que je voulais aussi, c'était prendre le ressort, les mechanical parts, et je vais faire deux trappes. Quoique, attendez, 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 je peux les augmenter en fait. On a vu avec ces portes que ça revenait au même. Voilà, ça c'est fait. Hop, et on fait la même ici. Voilà. Parce qu'en fait ça, hop là, voilà. En fait ils peuvent pas accéder ici. Mais non, putain, mais exactement ce qu'il fallait pas faire. Ah. Donc vous voyez à l'intérieur, tout est doublé. Voilà, j'ai doublé tous les contours avec de la dalle. Là, il y a deux portes en fait. Voilà. Hop, et celle-là, on va la. Voilà. Donc là, ok. Donc ils vont s'attaquer au mur. Les murs, ils sont doublés. Bon, ils risquent de passer quand même. Mais après, ils peuvent pas, vous voyez, comme moi là. Ils peuvent pas monter. Enfin, si, ils vont se faire la courte échelle et tout. Bon, on verra. Ah, ça me donne envie de renforcer ici aussi pour qu'ils puissent pas du tout monter en fait. J'aurais pas dû laisser ça comme ça, ils vont se faire le saut de mouton là, ils vont arriver à monter. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis.
on s'affole pas. Déjà, on essaye de remonter chez nous, ce serait pas mal. Ah, oh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué là, tout ça, là, tout ce qui se passe dans ma tête, jour de horde. Voilà, et on va la mettre ici. Non, tu veux pas. Non, là, non. Hop, là, si je fais ça. Bon, et non, parce qu'il y a déjà le truc. Ok. Et bien, on va se mettre une petite échelle qu'on se détruira dans la foulée. Échelle en bois. Fabriquer. Tic-tac-touc, t'es où? T'es là. Tac, tac, hop, voilà, mais là ici, et puis, quoi, voilà, et puis, hop là, on va la détruire maintenant, pour pas prendre le risque, s'ils arrivent à monter, ouais, je pense qu'ils vont arriver à monter sur ce mur en fait, s'ils arrivent à rentrer, s'ils arrivent à rentrer, ils vont arriver à monter sur le mur, mais bon, c'est pas grave, on verra. On verra, on verra. Ici, notre fer forgé, il en est où? Hey, salut Evil! Excuse-moi, je t'ai pas vu. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Jour de horde. C'est chaud. Enfin, c'est chaud. On verra si c'est chaud, mais potentiellement, ça peut être chaud. Parce que j'ai quand même pris pas mal de niveaux, vu que je suis allé chercher la forge, je suis allé chercher l'établi, le crucible pour faire de l'acier. Regardez-moi ça, là. Waouh! Ah, mais j'ai pas le temps. En fait, j'ai plus le temps. 21h43, j'ai plus le temps. Ok. On va plutôt s'occuper de s'armer un petit peu plus sérieusement. Donc, fusil de chasse niveau 4. Munition du fusil de chasse niveau 4. Pistolet niveau 5. Et munition de pistolet niveau 5. On doit avoir des munitions de pompe qui traînent, oui. Ah, j'ai fait aussi. Ah oui, j'ai fait ça. C'est où? Ah, j'ai fait des cocktails Molotov aussi. Pour les calmer un petit peu, on va. Putain, c'est parti. On va se prendre ça aussi en plus. Et j'ai envie de dire. On y va. C'est parti. Ils sont où? Ah, ils passent par là direct, hein. Merde. Vous m'entendez plus, c'est normal, hein. Vous affolez pas. Oh putain, il y en a un qui crache là. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais lui il fait du dégât. Hein. Mais recharge. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont ailleurs. Hop, 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 on y va. Ouais, voilà. Oh, ça y va. Hein. Oh là 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 là. Ah, ils arrivent au mur là. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh, il s'attaque à ma porte, le petit bâtard là. Non, je suis tombé! Oh, papa, c'est chaud, je peux pas remonter chez moi en plus là. Ah, ouais. Il y a un flic et tout quoi, putain. Ouais, je sens que quelque chose arrive, ouais, je te le cache pas. Ah, mon dieu, on est mal. Ah, oui, d'accord, on est très mal. Ok.
Non. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Maybe we're gonna die. Maybe not. Voilà. En plus, j'ai pas chargé quoi. Voilà, total. J'ai plus de stamina. J'ai plus de 20 de vie. Au moins, ils vont arrêter de détruire ma base. Putain, mais pourquoi je me refais pas de la stam là? Ok. Il me tire. Et voilà, putain. Le crachat fatal. Ah non, je suis pas mort. Mince. Ah, j'ai retrouvé de la stam en plus. Yes. Watch out. C'est chaud. C'est chaud. Ok. Alors là, on va faire un truc rapidos avant qu'ils arrivent. Eh merde. Ok. Calme-toi, 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 cocotte. Calme-toi. Allez. Et l'autre qui me crache dessus là. Non! Putain! Aïe aïe aïe! Putain, plus compliqué que ce que je pensais, cette horde. Pouah. Je pensais être mieux protégé que ça. Il va falloir que je m'occupe sérieusement de la protection de cette base là. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? La mitraillette. Ah, mais j'ai plus aucune munition du coup. Ah putain. Tac. Tac. Du coup, tac, tac. Ouais, détendez-vous, j'ai rien. Là. Où sont mes roquettes? Ah. Là. Putain, ils sont en dessous là, je les entends. Ok. Alors, vous êtes où? Toi, ils ont fait un massacre, hein. Ça, c'est que minuit et demi, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. J'irai chercher mon sac à dos plus tard, hein. On voulait pas. Ah, mais j'ai pas de bandage. Si, là. Là, 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 là. Tac. Tac. Prendre. Tac. Utiliser. Heureusement que j'ai du stock à la maison. Pouah. Ah, ils sont en train de faire un massacre en bas là. Oh là là, pff. Ah, Tetrac. Oh, Phoenix. Ah, ils sont rentrés en fait. Ils sont rentrés. Voilà, je peux rien faire. Hein. Attends, peut-être. Ouais, bah là, je pourrais faire. Hein. Acharnez-vous sur la porte, les mecs. Hein. Je peux pas vous dire plus. Hein. Ah, il y a un problème. Il va falloir que je prépare mieux ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Wouah! Ça, c'est un crasher. Qui a fait ça? Il commence à y avoir des dégâts au plafond et tout là, ça craint. Alors, ok, il passe par là. Putain. C'est la merde.
En plus, je les rate. Ok, bon bah. C'est un peu le caca. Comment je pourrais faire pour aller là-bas? Je vais crever si je vais les affronter direct. Et pourtant, il va falloir faire ça. Hein. C'est le caca, c'est le caca, mes amis. C'est le caca, mes amis. Ah, mais je peux plus descendre en plus par là. Ah! Oh mon Dieu! Il retourne. Encore un crasher. Oh, un verre et tout. En plus, j'ai plus rien pour vous tirer dessus, les mecs. Faut que j'aille chercher mon. Mais ça s'arrête jamais. Ah bah tiens. Tombe pas, hein. Ok, j'en ai plus. Oh, ça casse mes trucs en fait. Ok, est-ce que j'ai d'autres armes à feu disponibles? Quelle heure il est là? 2h46. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, ok, on oublie. On oublie. MR10. Ok. Ça, avec ça, j'imagine. Ouais, allez, go. Putain, mais j'y vois rien là. Mais recharge. Je vois rien, je vais retomber. Hein. Pouah, 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 pouah. Ah, dis donc, ils se sont fait plaisir. Hein. Oh. Ah non, mais là, il va falloir que je mette une fosse partout et. Ah ben, je vous avertis, les prochains lives, ça va être. Ça va être je creuse partout et je fais des fosses de malade, je rajoute des pics, je mets du béton. Oh les bâtards, ils ont dû tout ravager au rez-de-chaussée. Bon après on s'en fout du rez-de-chaussée mais. Alors juste, est-ce que il y a des dégâts au plafond? Oui je sais que j'ai froid. Bah voilà. Voilà. Hein? C'est le mieux que je puisse faire. Ah oui, je peux mettre un bonnet aussi si tu veux. Ah, quoique. Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Non, non, mais je veux le wear. Est-ce qu'il y a des dégâts au plafond? Ah oui, ils sont arrivés à taper ici. Alors je vais le laisser pour pouvoir essayer de comprendre par en bas comment ils y sont arrivés. Bon, ça en fait c'est du béton en dessous, ça se voit pas, mais je l'ai refait déjà. A priori, il n'y a que là. D'accord. Qu'est-ce que ça donne ici? Ils sont rentrés ou pas? Eh, ils sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. Donc le dégât que j'ai vu, c'est un dégât qui date pas de là maintenant. Ils sont pas rentrés. Yes! J'ai quand même doublé jusqu'au plafond. Mais ils sont pas rentrés. Putain, ça c'est cool. Allez, moi je peux plus ressortir. Oh, je peux plus ressortir parce que j'ai pas de bois sur moi pour faire des. Ouais, ça s'est calmé aussi, moi. Ah si, j'ai du bois. Ah non. Ah si, j'ai du bois. Non.
Ah, j'ai rien, je suis coincé en fait. Je suis coincé là. Bon, mais je vais me tuer sur les quiches, et je vais ressortir sur mon. Voilà. Merci. Et je vais réapparaître sur mon lit. Bon, écoutez, l'un dans l'autre, si on réfléchit bien, l'un dans l'autre, si on réfléchit bien. Ah putain, j'ai peut-être perdu ce que j'avais sur moi, vu que j'avais pas de sac à dos. Bon, je sais pas. On va voir. Écoute, on apprend. L'un dans l'autre, ça s'est plutôt bien passé, dans la mesure où ils sont pas arrivés jusqu'à moi en haut, mais ça je n'osais l'espérer quand même. Ben ça voulait dire que j'avais les lunettes qui donnaient de l'XP en plus. Ah ben non, vu que j'avais pas mon sac à dos. Donc ils sont pas arrivés jusqu'en haut. Les crashers quand même, on voit que ils font des dégâts. Donc ça, faudrait y penser. Pas la force de réparer ce soir, je vous dis bonne soirée, à plus. Salut Tedrac. Tu devrais mettre deux rangées de barreaux en haut, à plat, autour de ta construction, comme ça tu peux faire le tour. Ouais, exactement. Ouais, c'est ce que je pensais faire, effectivement. Et aussi que je protège le au-dessus de ma tête, parce que je commence à avoir des vautours là. On va aller chercher le sac à dos. Mais bon, ils sont pas arrivés en haut. Bon, en même temps, avec tout ce que j'ai là, ça m'étonne pas trop quand même qu'ils aient même pas essayé. Et ils sont pas arrivés à rentrer en bas. Ce qui est plutôt pas mal parce ils sont très vite fait un chemin dans les. Ils se sont très vite fait un chemin dans les pics quand même. Donc je pensais que. Mais bon, ils ont même pas essayé ici. Bon, il y a des réparations, mais malgré tout, ça a pas mal tenu. Ici, ils s'y sont pas attaqués. Ils ont tout de suite attaqué ici. Ils se sont fait un chemin direct là. Parce qu'ils ont compris que ça c'était pas en fer forgé. Bon, voilà, oui, ils sont passés juste à côté des fers forgés. Ils ont trouvé le point faible, hein, ils sont malins. Et après ils sont arrivés ici. Et ici en fait, ils se sont fait un petit chemin. Je vais mourir bêtement, mais ils se sont fait un petit chemin. Mais ils sont quand même pas arrivés jusqu'à la porte, quoi. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, quoi. C'est vraiment pas mal du tout là ce qui se passe là. Parce qu'ils sont allés là, là, ils sont allés jusque là, là, et ils sont pas arrivés à aller jusqu'à la porte. Vas-y. Hop, merci. Ils sont pas arrivés à aller jusqu'à la porte, quoi. Donc, ouais, donc on est pas mal, hein. On est quand même pas mal du tout. Franchement, je trouve que pour une première, il y a du dégât, mais je m'y attendais. Moi, je suis mort, mais parce que je suis tombé comme un couillon, mais ça, c'est pareil, hein. J'ai mal fait mes coursives. Mais globalement, ouais, ça va, on s'en sort. On s'en sort pas mal du tout. Allez, on va aller chercher le sac à dos. Yes! Ok, super. Là, j'ai un loot. Cool. Ok. Pouh. Eh ben dites donc mes amis. Quelle aventure. Quelle aventure. Bon, on fera du tri dans tout ça tout à l'heure. Hein. Eh ben c'était tendu. Hein. Phoenix, pas retranché assez vite, je suis mort en première ligne, mais bon, une fois avec des tonnes de verre jusqu'à 4 heures. Eh ouais. Eh ouais, toi tu manges du verre, hein. Moi j'en ai eu 3, tu vois. Non, je suis pas mécontent, je suis pas mécontent. C'est. Voilà. Ils ont trouvé la faille rapidement, donc ça c'est dommage. Mais globalement, moi j'ai jamais été menacé. Le rez-de-chaussée a tenu juste ce qu'il fallait. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Y en a quelques-uns qui sont morts là-dedans. Il faut que je fasse. Voilà, je vais faire une douve comme ça tout autour. Déjà, pour qu'ils galèrent bien en étant dans la merde au fond. Et puis après, déjà ça serait pas mal. Parce que là, la douve, ils y sont pas allés, forcément, ils pouvaient aller ailleurs. Donc ils se sont pas embêtés, le point faible était pas là, de toute façon. Ils ont commencé à taper là-dedans aussi. Pour essayer de rejoindre la porte. En fait, c'est la porte, hein, là, qu'ils ont essayé de rejoindre, quoi.
Ok, bah écoutez, sacré horde, c'est quand même tendu comme truc, hein. Pouah. Ils ont fait un malheur, hein. Bon, les pics fer forgé, ça tient bien quand même. Ils ont fait un malheur. Est-ce que l'on peut faire des douves avec de l'eau? Alors je crois, parce que j'ai entendu parler. Enfin, j'ai entendu un mec qui disait qu'on pouvait faire une sorte de retenue d'eau, en fait, c'est une sorte de petit lac, quoi, ou de petite mare, dans lequel tu peux aller piocher ton eau régulièrement et être tranquille. Donc j'imagine que si on peut faire ça, on peut remplir aussi ces douves de flotte. Mais ah, ça sert pas à grand-chose, en fait, pour les zombies, parce que même si tu fais des douves de 10 mètres, ils marchent au fond de l'eau, en fait. Donc tu vas te faire chier pour pas grand-chose, il vaut mieux faire des douves où, à la place de l'eau, tu mets plein de pics. Ok. Bah écoutez, j'ai envie de dire waouh là, hein. Pouf. J'en reviens pas encore. Bon, y a du taf, hein. Y a du taf. On va peut-être pas remettre des pics, on va plutôt travailler à la douve pendant jusqu'à la prochaine horde. Voilà, faire une douve. Je pense que je vais partir comme ça, je vais faire tout le tour. Flof, 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 flof. Ça va faire du taf, mais bon, il faudra le faire, hein. Oui, ça les ralentit un peu, c'est sûr. Mais déjà, je sais que, enfin, je pense savoir qu'en théorie c'est possible, mais je t'avoue que je sais pas comment on fait pour récupérer cette flotte là. Mais c'est celle-là aussi. Et ça va les ralentir, oui, ça c'est sûr. Après, ça les ralentit sans les ralentir dans le sens où ça leur enlève pas de points de vie et pas de. Et pas de. Enfin, pas de pénalité particulière, quoi. Il a cassé mon. Oh là là, ouais, ils ont tapé là-dessus, là. Bon, je vais quand même aller réparer le bâti, au moins ça. Même si je répare pas les pics aujourd'hui. Oh, ils ont fait un massacre. Est-ce qu'ils sont venus taper là-dessus ou pas? Ah ouais, ils ont un petit peu tapé dessus. Ils ont un petit peu tapé dessus. Ok. Ah, et ça aussi. Quoi? Ah, tu veux de l'acier. Enfin, du fer forgé. Ok. Ouais, ils ont tapé quand même sur ça. Hein. Allez, on va prendre de quoi réparer tout ça. Donc alors, on a des trucs à réparer. Là. Hop. Là. Là. Là, ok. Là, mais là c'est du fer. Là. Ouais, là, ils ont attaqué ici quand même. Là, ok. Ok, donc là on est pas mal. Est-ce que ici, non. Ok, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Inspectionne des lieux. Non, ça a l'air d'aller. Ah si, là. Ok. Ok. Donc. Ah, waouh. Quand même, hein. Elle a souffert, ma petite base. Oula, attention. Ah oh ouais, il a cassé les rambardes aussi. Pff, eh, vous respectez rien. Hein. C'est pénible. Hein. Quoi? Ah, il faut du béton pour réparer ça. Ok. Ils respectent rien. Ok, on y retourne. Donc. Voilà. Oh là là, c'est ouf! Bon, là. Ok. Bon, de toute façon, on va faire une coursive, hein, effectivement.
On va faire une coursive en tube de fer pour pouvoir les affronter un petit peu plus. Enfin, pouvoir leur tirer dessus en fait, pas prendre le risque de tomber comme je. Parce que là, je suis mort parce que je suis tombé d'ici en fait. Bah écoutez, je vais finir le doublage enfin le doublement des murs du rez-de-chaussée, vu que j'ai pas mal de blocs de galets sur moi. Et puis après on se quittera là-dessus, hein. Le truc de fou. Alors le truc c'est que si je double jusqu'au plafond, ah si, mais si, ouais. Bon, je vais doubler quand même jusqu'au plafond, parce qu'en fait j'ai peur qu'ils se montent dessus et qu'ils arrivent à taper sur le plafond, en fait, tout simplement, s'ils arrivent à monter ici. Allez, en avant. J'espère que vous aurez apprécié. Moi j'ai apprécié, voilà, j'ai apprécié que finalement ils aient pas pu rentrer au rez-de-chaussée. Du coup, ils ont même pas pu, enfin ils ont à peine enlevé 20 points de vie à ma porte qui mène à l'échelle. Donc on est quand même assez nickel de ce côté-là. Ils ont percé trop vite les défenses extérieures. Voilà, le bâti tient bien, les portes tiennent bien. Mais les défenses extérieures, ils ont passé trop vite, donc on va rapidement mettre sérieusement en place le plan fossé. Voilà, on va faire tout le tour de la base en fossé, et puis on va continuer à farmer du fer forgé bien comme il faut pour tout simplement faire plus de pics en fer forgé, parce que celles-là quand même tiennent bien la route, quoi. Voilà. YouTube, écoutez, une VOD rapide qui va envoyer du bois. À très vite, YouTube. N'oubliez pas, si vous avez des conseils, je suis preneur, hein, il n'y a pas de souci. Tous les conseils sont les bienvenus en commentaire. Mettez-moi vos conseils, ce que vous pensez que je dois faire pour améliorer tout ça. Vous avez, bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans le descriptif de la vidéo. Dans le texte de description, vous avez l'adresse Twitch d'Asgard, qui est le streamer qui nous met ce serveur à disposition. Allez le voir, il stream tous les jours, c'est très très sympa. Même s'il se prend pour un autre. Dédicace Asgard si tu me regardes. Et puis vous avez aussi le Discord de l'Asgari, qui est donc la communauté de ce streamer. Vous avez le lien vers le Discord de l'Asgari. Venez nous voir, on vous fera un coucou. Nous ne sommes qu'amour et nous adorons voir de nouvelles têtes, entre guillemets, de nouveaux avatars, et puis vous avez l'adresse vers ma chaîne Twitch, où effectivement, là, vous voyez, vous avez eu une courte VOD pendant la horde, mais ça fait, je crois, 3 heures que je crois que je suis en ligne. Voilà. À très bientôt, YouTube, et très bonne continuation à vous.